bienvenue pour notre première Inside de la saison. Nous avons décidé pour cette première épreuve ici à Bali de suivre Mathis Valin, champion du monde junior la saison dernière. Il est désormais officiel Kawasaki Bell Racing et c'est ses débuts dans la catégorie mixte. On va le suivre toute la journée. À la 22e place, Mathieu de Martinez à la 23e. Ça c'est un cuba, de toute façon c'est que les libres, donc ça c'est toi qui vois. Il complète donc ce groupe 1. T'as vu les chronos que ça a Maxime fait ou pas Maxime vient de s'élancer sur 83 Maxime. Ouais, mais ils l'ont fait au premier tour. Effectivement, dernière tentative pour tous ces pilotes. Ils ont le droit d'entrer à faire un seul départ sur la grille ou devant la grille. Non, sur la grille. Là, ils font un départ sur la grille, donc deux. Je vais essayer de mettre sur l'estrade. C'est surtout intelligent parce que c'est là où si tu fais un bon truc, tu vois. Du coup, il y a Thierry sur le terrain. Si jamais il y a des informations à mettre sur le panneau, qui voit des trucs ou qui ne va pas, et ben, il fait passer des informations et je le montre. Sur des pistes comme ça, une simple trajectoire, tu peux gagner 2 à 3 secondes. Quoi. On décrotte tout ça. Surtout là, c'est la bombe, c'est garde la vitesse, parce que si ça te stoppe, tu vas faire super grave. Allez, intelligent, sois propre d'entrée de toute façon. Et si jamais tu vois que tu fais une erreur, tu enchaînes direct surtout. Tu me dis que tu veux passer 40, tu me fais un signe. Ok. Le groupe, il était en 2-20. Non, Baptiste, bien quand même. Après, Boiramé, il vit dans ces conditions. Mathis avait plusieurs tours bien quand même, c'est pas mal. On est super content d'avoir Mathis, il a fait une très belle saison l'an dernier et on a passé un bon hiver, il a bien travaillé. Donc aujourd'hui, c'est notre première course de l'année, donc on va voir un peu où on se situe. Et les premiers essais, c'était pas trop mal. Je suis content, puis ce matin, les temps sont pas trop mal. Boiramé, c'est une référence un peu dans les terrains gras comme ça. On sait que c'est un top GP, donc moi, je pense que ça devrait faire une bonne saison. La boue, c'est quelque chose que j'aime bien. Dans mon pays natal où j'habite, il y a quand même pas mal de boue. Donc je me suis bien entraîné quand j'étais petit, donc ça me dérange pas forcément. Et je pense qu'il faut plutôt prendre la course positivement et marquer le plus de points possible pour le championnat. C'est un bon gamin, après c'est pas nécessairement important, c'est que le pilote progresse et qu'on ait des résultats. Maintenant, quand ça se passe bien et quand voilà, il y a une bonne relation, c'est toujours plus facile. Un bilan, on va dire, mitigé, mais qui finit bien avec une bonne deuxième manche. On va partir un peu tout à l'heure pour 25 minutes de tour. On se remet au travail cette semaine et pour être prêt en Espagne le week-end prochain pour l'ouverture de l'Europe. Ça sera avec le team, Lily, Stéphane, mon mécano, c'est pareil, même les autres mécanos, on a vraiment une entente incroyable et ça se passe vraiment.